J'ai fait des pliages de semaine. Alors, bonsoir. Rebonsoir Naïla. Est-ce que vous Naïla, me recevez bien? Ouais, je vous reçois. Je pense qu'il faut inverser. Ouais, c'est voilà. Ce que je suis en train de faire. Juste, je le mets sur le support. Je le remets sur le support. J'ai tellement peur. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Oui, normalement, ça fonctionne. Alors, on va jouer avec les écouteurs pour voir si vous m'entendez mieux. Vous m'entendez mieux comme ça? Je vous entends très bien, oui. Ah, super. Est-ce que tout le monde nous entend? C'est bien parce que là, on est pour le coup dans les temps. Oui. Et je pense qu'on a d'ailleurs tellement échangé pour la préparation de cette interview que je pense qu'on va se tutoyer. Oui, tout à fait. Simple. Ça va donner plus de légèreté. En effet. Allons-y. Voilà, c'était très dur. Alors, je reprends quand même la petite introduction pour dire que mercredi, en fait, il y avait un souci de connexion pour le coup, mais surtout du fait d'avoir essayé de faire le live sur la page au lieu de le faire sur le compte. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas véritablement familiarisés avec l'outil, c'était mon cas. Voilà, ça n'a pas marché avec la page, mais plutôt le compte. Donc donc voilà, tout ça est réglé. Donc on va commencer. Alors avant de commencer très très rapidement, alors on va avoir entre 45 minutes. Et une heure pour ce live. Et alors, il s'agit du programme du Hub Artissimo qui s'appelle « Vivons de la culture ». Vivons de la culture, donc c'est un programme qui consiste à discuter, à échanger avec des artistes, avec des acteurs culturels pour parler un peu de leur création, de leur travail, de leur démarche artistique, de leurs inspirations, de ce qui fait que voilà, ils en sont là, et en même temps essayer de matcher ça, si on peut dire, avec l'écosystème, ce qui nous entoure, comment est organisée la profession. Est-ce qu'on arrive vraiment à vivre de notre métier? Quels sont les points, on va dire, peut-être à améliorer? Qu'est-ce qu'il faudrait que chacun à son niveau puisse développer pour créer des conditions de travail qui soient en tout cas optimisées? Et bien entendu, aujourd'hui, il y a cette donne du Covid. Donc, comment appréhender la situation avec le Covid? Voilà, en gros, c'est ça. Vivons de la culture, c'est vraiment une fenêtre qui s'ouvre entre les acteurs de ce qu'on appelle les industries de la culture. A-t-on une industrie de la culture ou pas? On va en discuter. Mais en tout cas, ça concerne tous les créatifs de l'Algérie. Sur le monde, donc tous les créatifs en tout cas sont fans de voilà. Alors tout donc, à fait Naïla, merci d'avoir accepté notre invitation. On a eu l'occasion de se connaître très très brièvement il y a quelques années, et puis un peu plus particulièrement ces dernières semaines, et puis bon voilà, on concrétise cette rencontre. Donc est-ce que vous pouvez, enfin tu peux te présenter parcours et de ce qui t'a mené à ton métier aujourd'hui. À toi l'honneur. Si, alors tout d'abord, vous remercier toute l'équipe pour le formidable travail qu'elle fait déjà depuis 20 ans. Toi et toute ton équipe, donc vous tous qui êtes cette famille de l'art et qui œuvre à promouvoir la formation artistique et les artistes en Algérie.
J'aimerais également prendre mes sincères condoléances à toutes les familles des victimes du Covid, parce que je sais que ça a été très difficile pour elles. On partage leurs peines. Et à rendre hommage également aux victimes du 8 mai 45, puisque aujourd'hui est un jour particulier pour tous les Algériens d'ici et d'ailleurs. C'est une date importante pour nous. Alors, pour me présenter brièvement avec mon art et mon parcours, je vais essayer de synthétiser tout ça. Je suis diplômée de l'École supérieure des beaux-arts d'Alger. L'art n'a pas été le premier parcours que j'ai eu après l'obtention de mon bac, c'est-à-dire que je suis passée par l'architecture, les administrations économiques et les échanges internationaux, le design, et puis finalement, c'est la sculpture, l'art de façon plus générale, qui ont permis à mon épanouissement universitaire. Donc en 2016, j'obtiens mon diplôme d'enseignement supérieur artistique, sous la direction de Laïrah Moussa Aller, l'historien de l'art et peintre, et de monsieur une thèse en sciences de l'art à l'Université Paris 1, sous la direction du professeur Richard Comte, qui porte sur la place de l'artiste dans la société algérienne contemporaine et son apport à la réhabilitation, à la conservation et à la valorisation du patrimoine culturel. Donc, voilà. Super. Mais alors, du coup, dans ce que je vois dans ton parcours, donc tu es dans la pratique, tu as choisi la sculpture. C'est quand même... parce que ça fait un moment, en tout cas aux Beaux-Arts, que cette spécialité a été abandonnée. Et comment as-tu... Qu'est-ce qui t'a mené à ça ? C'était un choix ? C'était tout simplement une orientation ? Ou est-ce que ça a été la rencontre avec qui t'a mené à ça ? Eh bien, l'histoire est très différente. En fait, je voulais, en intégrant l'École supérieure des Beaux-Arts, je voulais me spécialiser en design aménagement, ayant ouais. commencé à étudier l'architecture et... ça, je m'intéressais à ça et puis j'ai découvert la sculpture, j'ai trouvé ça exceptionnel, ça m'a beaucoup inspirée. Quand j'ai compris qu'on pouvait en faire un métier, j'étais aux anges. Donc voilà, ça, c'était un hasard. Ma moyenne ne suffisait pas pour que je puisse me spécialiser en design. C'est dommage que le choix et l'orientation des étudiants se fassent sur cette base-là. Au lieu de privilégier l'inspiration. Mal pour un bien, j'ai découvert la sculpture tout de suite. En effet, ça faisait quand même quelques années qu'il n'y avait pas eu d'étudiants dans cette spécialité, et notamment des étudiantes. Cette année-là, c'était ouais. en 2012, il y avait 3 jeunes femmes qui avaient intégré cette formation. Et donc, le ministère de la Culture... à l'époque, pour célébrer cet intérêt ou ce retour vers la sculpture, nous avait invités, alors que nous n'étions qu'étudiantes, à participer au Festival de la création féminine. La sculpture de la femme arbre, Aldia, qui représentait la femme algérienne avec les racines qu'elle était pour la société, et puis également ses fruits et l'ombre et tout ce que un arbre à la forêt. Donc ça a été enfin d'une certaine manière un encouragement, tout à fait, remettre à l'honneur cette spécialité. Alors tu fais de la curation, on dit ça comme ça, tu es curateur aussi, c'est complètement là, c'est ton côté, on va dire plutôt managérial qui t'a mené à être médiatrice culturelle. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste oui. exactement ? Alors c'est aussi une forme de pratique artistique contextuelle. J'inscris ma pratique artistique sur 3 axes, un axe individuel, un axe curatorial
et un axe collectif. Et donc, la curation d'événements artistiques, d'expositions d'art, consiste en la réalisation d'un événement, je suis curatrice pour la Casbah des Arts, hein, une résidence d'artistes qui va essayer d'aborder, d'appréhender de la revitalisation de la Casbah d'Alger, de sa réhabilitation, de façon innovante, c'est-à-dire en faisant intervenir le citoyen, ouais, en donnant comme de lecture l'art et l'art contemporain de façon... Donc, je suis venue vers la curation d'événements de cette façon-là, donc dans un cadre... Ça avait notamment commencé par le lancement de l'atelier Ness à la Casbah d'Alger, qui était un espace d'art contemporain, ouais, situé au cœur de la Médina. Nous invitions des artistes nationaux à exposer. Cela leur permettait d'avoir une visibilité et puis aussi d'autre part de nations qui ne connaissaient pas le patrimoine de la Casbah à le découvrir sous prétexte d'une exposition d'art ou d'une rencontre artistique. Donc voilà comment je suis, j'ai évolué si vous voulez vers la médiation culturelle et le métier de curatrice. Je suis encore en cours de formation. Je soutiendrai ma thèse probablement à la fin de l'année 2020. Et donc, voilà, je m'inscris dans une démarche contextuelle et que j'essaye d'aborder de différentes façons une thématique, notamment celle de l'art et de la politique de façon. Alors, si je reprends, en fait, j'ai l'impression que la frontière est assez étroite entre votre parcours artistique et si bien curation, c'est ça, ou curateur, en fait. Tout à fait, oui. Du alors, coup, curateur, c'est le métier. Voilà. Mais du coup, est-ce que vous travaillez beaucoup sur le patrimoine, notamment donc la préservation de la Casbah d'Alger. Quel est le cheminement de votre démarche artistique lorsqu'il s'agit par exemple de travailler soit sur une exposition, soit sur la création d'une œuvre? Je sais que dans la sculpture, vous êtes plutôt sur la création d'œuvres assez monumentales, mais est-ce qu'il y a des thématiques que vous allez sur lesquelles vous allez vous fixer en début d'année ou de grand, ou bien est-ce que ça va venir justement d'une actualité nationale ou internationale? Expliquez-nous un peu votre artistique avec ce qu'elle a de spécifique par rapport à la médiation culturelle. Alors commencer par le tu. Dès mes premières années aux Beaux-Arts, plus les compliqué et plus je vais dans le vous. Donc, reviens où tu... Je rigole, vas-y. Ok, je reviens où tu... Dès mes premières années aux Beaux-Arts, il va y avoir une thématique principale qui va se développer dans mon travail artistique. Cette thématique, c'est celle de l'art et de la politique, avec toujours des thématiques, c'est-à-dire que je vais m'intéresser aux questions de l'identité, de la place de la femme dans la société algérienne, de l'engagement de la ville et puis surtout de la société. Comme je vous l'ai dit, je suis dans une pratique contextuelle et je vous avais les références bibliographiques, je vous avais préparé ce petit ouvrage qui explique un peu, il s'intitule « Un art contextuel » de Paul Ardenne, et qui explique un peu est-ce qu'un artiste contemporain va s'insérer dans la réalité et va produire une œuvre autour de cette réalité. Ce qui m'intéresse le plus dans ma démarche artistique, c'est la réalité algérienne,
C'est d'abord une réalité patrimoniale et culturelle avec une identité multiple et pour sculpter d'abord d'autres matériaux, mais aussi nous avons suffisamment de substance dans notre patrimoine matériel et immatériel pour pouvoir imaginer et concevoir des milliers d'œuvres. Ensuite, ce qui m'inspire dans toutes ces thématiques, c'est vraiment de pouvoir puiser dans une réalité pour proposer une œuvre plastique ou une idée et que celle-ci soit en accord avec ma démarche. Donc, c'est une démarche développée, une pratique plutôt développée et qui fait de l'art un instrument politique parce qu'il est dans la proposition. Je ne suis pas dans la conception d'une œuvre, comment dirais-je, dans la proposition ou dans la dénonciation. Mes œuvres... Donc, tout dépend. Oh, il y a toujours une part. Vous savez, il est important de définir pour limiter son champ d'action. Cette phrase appartenant à Oscar Wilde. Je pense que sans dénonciation, il n'y a pas de proposition. Et je travaille depuis les Beaux-Arts d'Alger à, d'une part, dénoncer les manquements de ce secteur, en tout cas dans le cadre de la formation universitaire et puis de la post-formation. Qu'est-ce qui nous arrive quand on a notre diplôme? On en parlera un peu plus tard dans les questions suivantes. Mais c'est les deux. C'est dénoncer et proposer. Chose qui ne soit pas figée, où le public peut apporter sa vision, débattre et modifier cette proposition. Comme l'œuvre produite dans le cadre de ma soutenance et aujourd'hui ce que je fais et qui est en lien avec mes recherches doctorales. Donc, il y a une forme de permet d'exprimer en tout cas une position sur un sujet donné, et notamment celui de l'artiste dans la société algérienne. D'accord. Et là-dessus, le process, on va dire, de création, quel est-il lorsque justement vous abordez, lorsque tu abordes un sujet justement de la recherche, ensuite tu vas crayonner, tu travailles sur ton concept et ensuite tu arrives à la conception ou à la réalisation, ou est-ce que tu as une routine particulière là-dessus? Une routine et une approche en tout cas d'aborder le sujet spécifique Oui, alors généralement j'ai cinq étapes assez distinctes qui consistent dans un premier temps à me documenter sur le sujet, à faire des recherches et à essayer de comprendre, parfois en interviewant les gens, puisque c'est in situ, donc souvent l'espace d'intervention. Et donc j'ai la possibilité de faire des recherches préalables sur son histoire, sur ses pratiques et les perceptions que peuvent en avoir les différents acteurs qui y vivent. Ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, je passe à la phase de conception. Souvent, cette phase est accompagnée d'une modélisation 3D. Donc, je fais appel à l'outil digital pour modéliser les volumes de l'œuvre. Dans un troisième temps, eh bien, ce sont les phases d'essayage. Je vais voir si ça fonctionne, éventuellement tester les volumes. Parfois, le volume peut être différent de la 3D qui a préalablement. Je fais des maquettes quand c'est faisable et quand ça ne l'est pas, j'interviens directement dans une quatrième phase. Qui consiste à réaliser l'œuvre. Donc, c'est en atelier. C'est souvent accompagné de techniciens. Je travaille avec
un électricien, mais doué, parce que je conçois souvent des formes assez, assez bizarres, et il m'accompagne donc dans la réalité. Et parfois, cette phase est très longue. Pour mon œuvre Étoile du matin, le scorpion de 1 km de fil barbelé qui était au parc Sophia, ça a pris 9 mois. Donc, la phase de production va dépendre du travail de l'œuvre et des matériaux. Processus Attendre que assez les techniciens interviennent. Quand même une démarche académique, du coup, dans tes recherches. Ah oui, totalement. Bah, totalement. J'ai appris l'art dans une école qui exigeait l'art, qui avait une formation très, très académique, justement. Voilà la différence entre l'autodidacte et l'artiste qui sort des beaux-arts. C'est vraiment cette formation académique, ce processus également. Et puis avec à côté des modules qui vont accompagner, parce que c'est tout seul l'œuvre, la création sans histoire de l'art, sans pouvoir la situer dans un courant artistique, eh bien n'est qu'une œuvre artisanale. Donc c'est voilà c'est clair. La démarche de ce processus académique, c'est de donner de réaliser l'œuvre en fonction des étapes de réalisation, surtout que la sculpture, c'est un peu plus long que la peinture, c'est voilà, quand on fait du moulage, on passe par plusieurs étapes et donc il y a, enfin il y a la beaucoup dernière d'attentes. Oui. Et donc la dernière phase de création, c'est une phase de présentation. Que donc chaque 6 mois, je prends un mois je vais envoyer des candidatures pour présenter mon œuvre au public à travers des salons, des événements, des résidences. Et voilà, parce que je considère la rencontre avec le public comme étant une des phases de création. Et voilà, la Alors, phase finale de ce processus. Est-ce que du coup, justement, lorsque tu travailles sur, juste, tu produis ces œuvres-là, est-ce qu'il y a beaucoup d'occasions d'exposer en Algérie ou tu vas plutôt participer à l'étranger? En ce qui concerne en tout cas la culture. Alors, c'est très difficile, même lorsqu'elles sont sélectionnées. Pour des représentations internationales ou des événements internationaux, elles ne peuvent pas être déplacées parce que elles sont très grandes. Donc ça déjà c'est assez problématique. Néanmoins, je peux partager une expérience d'exposition d'Étoiles du matin. Donc la sculpture qui était au parc Sophia a été exposée à l'Art Basel. En 2017, à travers une opération qui avait été lancée par les organisateurs et qui était de projeter les photos des œuvres qui n'avaient pas pu être déplacées pour cette occasion. Donc, ça D'accord. s'appelait Artbox.
de l'art Basel et Étoile du matin a représenté l'Algérie à travers une photo. Donc après national, oui, j'ai eu des occasions d'exposer qui étaient assez intéressantes, notamment dans l'espace urbain. Je remercie pour ça le ainsi réaliser cette formidable expérience qui a donné beaucoup, beaucoup d'inspiration à mon travail de recherche et qui consistait à mettre ma sculpture dans un parc. Oui, il y a eu des expositions. J'ai également participé au Printemps des échanges de tendances artistiques. Je fais appel à ce qu'on appelle l'art conceptuel à travers une installation qui a été présentée avec la galerie El Yasmine, que je salue s'il nous regarde. Del Ibrahim. Et donc, qui était de l'art conceptuel, tout à fait, un acteur assez actif, de la scène artistique algérienne. Ouais, voilà. Donc, j'essaye d'exposer mes œuvres toutes les fois pour moi, parce que je vais à la rencontre du public. Ce n'est pas le public qui vient à ma rencontre, c'est l'inverse. Et, et c'est faut toujours enrichissant. Oui. Alors, j'imagine que la création de ces œuvres-là nécessite des moyens. Je voulais, avant d'arriver à comment tu arrives à financer tout ça, je voulais savoir quel a été, lorsque tu as décidé justement de faire une carrière artistique, voilà, de manière, pas une artiste, sans être une artiste du dimanche, mais d'être... Je n'ai pas dit à un moment donné que ça impacterait peut-être sur de probables revenus, enfin sur des revenus financiers. À te dire, bon, bah, d'accord, je prends le risque de ne pas gagner comme si tu t'es lancé dans une école de management ou de marketing. Comment tu as eu ton deal par rapport à ça, entre toi et toi-même, justement? Bah, je pense que déjà, cette préoccupation, elle va commencer... Alors, cette préoccupation, elle va commencer très tôt. Dès qu'on est aux Beaux-Arts, déjà avant d'arriver, la famille commence à nous mettre la pression parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'on va faire après. Et quand... Bah oui, c'est comme ça qu'on appelle les choses et c'est assez drôle parce que la plupart des étudiants des Beaux-Arts vivent la même chose. On vit tous la même chose parce qu'on a cette appréhension et cette pression familiale face à la formation artistique. Parce qu'en effet, les débouchés, ils ne sont pas forcément évidents. Donc oui, j'ai eu cette préoccupation très tôt. J'ai la chance... mes parents qui me soutiennent, qui m'ont beaucoup soutenue dans la réalisation de mes œuvres et qui continuent encore à me soutenir aujourd'hui. Mais à côté, je suis aussi obligée de travailler, comme tous les artistes, donc de faire un métier qui n'est pas en lien avec ma création, parce que pour la simple raison que celle-ci, dans ma société en Algérie, on n'a pas forcément tendance à croire que l'art a une valeur marchande et ce qui dessert beaucoup les artistes. Moi, dans mon cas de figure, je fais des œuvres destinées aux espaces urbains. Donc, mes potentiels clients, ce sont les institutions publiques. Je ne correspond pas, mon œuvre ne correspond pas à ce canevas qui intéresse les acquéreurs. Donc souvent mes œuvres, eh bien, elles sont financées par mes parents que je salue d'ailleurs et que je remercie. Ensuite malheureusement elles finissent entreposées soit dans des garages ou sur des chantiers. Alors néanmoins j'ai eu
quelques cas de figure où c'était donc des acquéreurs qui commandaient l'œuvre, et donc là, la question ne se posait plus. Mais de façon générale, comme vous me dites, travailler de, enfin vivre de mon art, c'est très difficile de vivre de son art en Algérie. Pas pour. Malheureusement, on ne comprend pas la transversalité. Pardon. Oui, je t'écoute. Je t'écoute. Je n'ai rien dit. Je t'écoute. Oui. Donc on ne comprend pas la transversalité des disciplines. On ne comprend pas que, par exemple, un artiste sculpteur puisse travailler dans une équipe pluridisciplinaire avec un urbaniste, avec un ingénieur, un architecte et une personne de la fonction publique. Donc, ce n'est pas encore dans nos codes et ça rend le processus de professionnalisation de l'art très, très compliqué. Mais déjà, s'il y a, pardon de t'interrompre, du coup, si tu dis que tu réponds à des demandes publiques, comment ça se passe? Est-ce que ce sont des appels d'offres? Est-ce qu'il y a des appels à projets? Qui publie ces propositions? Ou bien c'est toi-même qui proposes et on dit, ah bah chouette, au niveau de la mairie, bah, ça nous intéresse. Quel est le processus là-dessus? Ah non, mais c'est des appels d'offres au niveau des APC. Mais ce que je disais malheureusement, c'est que mon style, moi je suis quand même dans un style très contemporain. Et quand on se balade dans la ville d'Alger ou de façon plus générale en Algérie, on va retrouver un style très classique dans les sculptures. Donc souvent, ces appels sont disponibles. C'est des appels qui sont ouverts aux professionnels. Mais déjà, d'une part, l'artiste sculpteur, et pour avoir son statut d'artiste sculpteur ou son atelier en tant qu'artiste sculpteur, c'est pas évident. On va être soit dans la sculpture sur bois ou la ferronnerie de fer. C'est-à-dire que le statut d'atelier d'art n'existe pas. En tant que, si je veux postuler à ce projet, je dois soit passer par un bureau d'études qui accepte de me laisser travailler en collaboration avec lui. Donc voilà, il y a déjà cet aspect de statut, mais il y a aussi l'aspect bien évidemment du style, du goût, du fait que mes œuvres soient trop contemporaines, peut-être, je ne sais pas. Néanmoins, œuvres urbaines. Néanmoins, ce n'est pas un style qui a rencontré son public. D'accord. Mais du coup, est-ce que tu arrives peut-être à travailler, t'organiser avec des sculpteurs ou avec des bureaux d'études pour créer une espèce de, je sais pas, de consortium justement pour pouvoir. Est-ce qu'il y a un travail là-dessus pour pouvoir peut-être valoriser. Ce métier-là et essayer de le, on va dire, de démocratiser auprès des institutions publiques ou du grand public en général. Ah oui. Alors, il y a un énorme travail à réaliser. Je pense qu'il y a déjà de nombreux volets parce qu'il y a pas de, il n'existe pas forcément de canevas détaillé. Qui protège l'artiste créateur de façon, c'est-à-dire au-delà de des lois sur les droits d'auteur ou d'un point de vue commercial, l'artiste sculpteur n'existe pas. Il n'est pas un produit de richesse. Mais pour pouvoir améliorer ça, je pense que l'écosystème de la culture nécessite quand même une refonte générale de ces fondations. Ce n'est pas seulement la sculpture qui en pâtit. Quand on voit des cinémas comme le cinéma de Constantine qui est transformé en poste, on se pose la question sur l'avenir de la culture en Algérie. On est assez inquiet. Donc, l'amélioration de cet écosystème, je pense qu'elle passe par plusieurs. Il y a donc un axe historique, il y a un véritable travail
de tous les travaux qui ont été réalisés jusque-là. Je prends pour exemple le recensement qui a été fait par l'Ayrahmou Youssa Aleh Mansour Abrous et qui concernait tous les artistes algériens. Donc, faire un travail de recherche historique, de rassemblement des connaissances et de documentation qui pourrait dessiner une trame de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait. Ensuite, il y a une dimension juridique. Bien, il faut les faire selon la loi. On ne peut pas, bien sûr, il existe des textes de loi pour l'artiste, hein. Il existe des exécutifs, il existe quand même depuis 2014, on a attendu près d'un demi-siècle pour lui donner un statut social à travers un décret exécutif. Mais néanmoins, il y a quand même un véritable travail de fond à faire sur la loi qui protège la fonction d'artiste et puis qui l'organise de façon plus générale. Enfin, il y a une dimension universitaire. La formation, oui, il y a une dame qui a parlé de la formation justement. Ouais. Voilà, et la question de la formation, elle est cruciale. Sa formation. Et je pense qu'aujourd'hui, même la recherche hein, scientifique, aujourd'hui, la question de la formation, elle entrave ce développement. Parce que, d'une part, eh bien, il y a certaines spécialités qui devraient avoir leurs propres écoles nationales, comme par exemple, ils devraient avoir une école pour pouvoir déployer ces différentes applications, notamment le design industriel, le design textile, le design automobile, le design naval, le design immobilier, le design mobilier, et donc urbain. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce sens-là, mais aussi des acquis à consolider. Comme à l'École supérieure des Beaux-Arts, on a beaucoup de choses à gagner en permettant à cette discipline de se développer avec d'autres disciplines, avec d'autres spécialités, avec les communications. Donc, on a beaucoup à gagner à développer la dimension universitaire. Enfin, il y a une dimension commerciale qui est liée à la marchandisation de l'objet d'art. Comment est-ce qu'on peut établir une valeur marchande pour ne pas tomber dans le… excusez-moi le terme. Après… En fait, parfois, on voit vraiment des choses aberrantes et à moins de réglementer cette dimension-là, d'établir des règles de vente et de promouvoir également la commercialisation d'objets d'art, l'exportation également. Donc, il y a un travail à faire sur cette dimension commerciale. Et enfin, celui que je considère être le plus important, c'est vraiment le dernier point sur lequel je m'étalerai un peu plus peut-être, c'est surtout la dimension sociale. Parce que pour pouvoir développer un marché de l'art, alors en ce qui me concerne, mes œuvres sont destinées à l'espace public, mais ce ne sont pas toutes les œuvres qui sont destinées à l'espace public, et la majorité sont destinées aux citoyens, à la consommation citoyenne et particulière de l'art et de la culture. Donc, la dimension sociale pour améliorer l'écosystème de la culture en Algérie, elle est primordiale, elle est cruciale. Elle consiste notamment en un travail de sensibilisation, de proximité, de compréhension et d'échange. Malheureusement, Mohamed Issi Yarham, que Dieu et son âme en paix, donné dans une interview à la télévision algérienne en 1985, il interrogeait dans cette interview la place de l'artiste dans la société. La fameuse phrase, un pays vivant. Donc, le public, cette problématique. Je ne dis pas que le public algérien ne s'intéresse pas à l'art. Ce n'est pas vrai. Le public algérien mais on apprécie peut le dire aussi, l'art. Peut-être. Quelque
photos sur nos téléphones, il y a quand même un attrait pour le beau. Cependant, on voit un objet qu'on est fier de ramener, un tableau, une valeur ajoutée dans une décoration intérieure, par exemple. Pierre Bourdieu a écrit un très bel ouvrage qui s'intitule « La sociologie de l'Algérie », où il essaye un peu d'analyser sociologiquement les intérieurs algériens. Et quand on analyse l'intérieur algérien, même en 2020, on s'aperçoit que l'œuvre d'art n'est pas forcément dans une place de choix. Donc, cette question de sensibiliser le public algérien à la valeur de l'art, ne pas le faire dans une démarche paternaliste, hein, ce n'est pas le but. L'art, c'est surtout des rencontres, de l'échange, du plaisir, des émotions, du voyage. Donc, à travers des événements non marchands, parfois, parce que les associations à but non lucratif peuvent être dans la production artistique non marchande, parce qu'elles ne visent pas l'achat, mais néanmoins, elles visent l'acquisition d'un bien symbolique qui est peut-être l'attention du public. Et donc, cette dernière dimension-là est importante. Mais du coup, est-ce que vous, entre, on va dire, est-ce que quand même, d'après toi, il y a eu une évolution, il y a eu une régression depuis entre les années 80 où, bon, le contexte, on va dire, de la société, l'organisation, le système politique était ce qu'il était, dans une économie, on va dire, plutôt centralisée et un modèle économique plutôt social, quoi. Et en même temps, l'ouverture des années 90 avec toute la période de ce qu'on appelle la décennie noire, bon, qui a bien sûr déplacé toutes les priorités. Et il y a eu en 2000 peut-être un regain d'intérêt, une envie de vivre et donc une certaine, en tout cas pour une catégorie sociale bien particulière, une certaine aisance qui aurait pu développer le secteur, enfin qui aurait pu aider en tout cas à développer la consommation des biens artistiques. Est-ce que tu penses qu'il y a eu une évolution ou finalement pas du tout là-dessus? Est-ce que cette sensibilisation, plus ou moins, il y a eu un cheminement dans cette sensibilisation malgré tout. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, je vais répondre à cette question en deux temps, si vous le permettez. Tout dépend si l'on se place à l'intérieur du territoire national ou à l'extérieur. Si on est sur le territoire national, oui, il y a eu des évolutions. Je pense que le décret exécutif numéro 1469 fixant l'assiette et le taux de cotisation pour la prestation de sécurité sociale des artistes et des auteurs, c'est une évolution qui a eu lieu en 2014. Donc, on critique parce qu'on a mis 52 ans à la réaliser, mais c'est quand même une évolution. C'est quand même une fondation pour pouvoir penser le statut de l'artiste. Ce décret exécutif signifie qu'on reconnaît l'artiste pour sa production. Maintenant, quand on voit les chiffres, notamment les chiffres de croissance d'exportation des industries culturelles et créatives de l'Afrique, par exemple, on se sent… Voilà, vous comprenez. Je ne veux pas être trop critique parce que je le suis en réalité. Mais bon, en cette soirée ramadanesque, je ne vais pas plomber le moral de tout le monde. Néanmoins, en effet, on est assez loin. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure d'une crise économique inévitable et mondiale qui est en train de se prospecter à l'horizon post-Covid, je pense qu'il serait ingénieux de notre part de penser enfin le secteur culturel comme un secteur économique,
puisqu'aujourd'hui, il représente un des secteurs les plus stables de l'économie mondiale. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des rapports mondiaux, notamment un rapport qui s'intitule « Économie » et qui est produit par l'UNESCO et qui montre comment la culture contribue au PIB des nations. Donc, À titre indicatif, aujourd'hui dans le monde, les industries culturelles génèrent beaucoup d'argent, 2 250 milliards de dollars et emploient 30 millions de personnes dans le monde. Donc, voilà, ça veut dire qu'on voilà. n'est pas là pour… Tout à fait, vous répondez. Je voulais aborder ce point-là. Vous avez dit emploi. C'est vrai que le secteur de la culture est celui qui est le plus à même à réaliser le premier objectif du développement durable, qui est celui d'éradiquer la pauvreté. Tout simplement parce que le secteur des industries culturelles et créatives est un secteur qui donne des opportunités à tout le monde, notamment aux femmes et aux plus jeunes, et qu'il peut apporter une véritable plus-value au secteur économique de la nation. Quand on connaît à travers le territoire tous les savoir-faire, je suis moi-même, j'allais vous montrer un bijou berbère, je suis moi-même grande amatrice de tous les produits du terroir algérien. Et cela représente une véritable opportunité pour employer des jeunes, pour créer des richesses locales et pour essayer d'éradiquer la pauvreté même dans les territoires les plus éloignés. Donc la culture, c'est aussi une stratégie de développement durable. Alors, souvent, quand on veut aller sur des propositions en disant comment faire pour justement développer ce secteur, parce qu'on n'est pas là, voilà, peut-être même le faire exister, parce que bien sûr qu'on ne démarre pas de rien, mais on est quand même, si on doit parler d'industrie créative, aujourd'hui, l'industrie telle qu'elle est comprise ou définie ailleurs, enfin, telle qu'elle est définie, aujourd'hui, on est à un stade embryonnaire. Mais il n'empêche que c'est pas grave, il y a ce qu'il y a, il n'y a pas véritablement de le potentiel de est là. Voilà, il n'y a pas véritablement de mapping très, très clair sur l'état des industries de la culture en Algérie, mais il y a des par-ci, par-là, des statistiques, etc. Donc, on arrive… Mais souvent, on a tendance à se dire « les institutions n'ont pas fait, les institutions devraient faire ». Qu'est-ce que… moi, je me dis peut-être qu'on pourrait changer, faire notre part du travail et qu'en dehors des institutions, comment… les acteurs, les artistes, les entrepreneurs culturels, les associations pourraient, je ne vais pas dire s'organiser, faire des associations et se battre ensuite pour avoir la présidence de l'association, parce que ça, c'est l'histoire que j'entends depuis 20 ans. Mais comment, voilà, dans certaines sous-spécialités, on va dire, les choses pourraient se développer. Est-ce qu'on doit aller, on doit commencer par justement l'acquéreur, le client, entre guillemets, l'amateur d'art, le grand public, quoi, commencer à faire ce travail-là? Ou bien est-ce qu'il faudrait aller vers justement l'organisation de secteurs, par exemple, je ne sais pas, à travers la création de clusters, la création de coopératives, vous voyez, ce genre d'initiatives qui permettraient de renforcer en tout cas les énergies de ces faiseurs d'art, enfin, on va dire, dans un domaine ou dans un autre, ou bien se dire non, il faut d'abord commencer par la formation. Alors, vous allez me dire non, mais attends, il faut tout faire en même temps. Mais si on devait, peut-être de ton point de vue, en tout cas, prioriser, mais voilà, prêt à la vraie vie, tu vois, prioriser, par exemple, toi, dans ton, enfin, pas seulement dans la structure, je vais plutôt parler à la plasticienne que tu es, parce que sinon, on va rentrer dans des détails qui ne sont pas, voilà, qui ne seront pas. Pertinent, mais dans le secteur par exemple des arts visuels ou dans le secteur justement voilà, des festivals qui sont organisés, etc. Est-ce qu'il faudrait être plus offensif? Quel est ton point de vue là-dessus, si tu veux bien, si tu as des idées en tout cas? Alors oui, ben je travaille, mon travail de recherche porte sur ça. L'entreprise que j'ai lancée également, qui s'appelle l'Inventaire citoyen du patrimoine,
Donc, j'ai énormément de propositions dans ce sens-là. Néanmoins, je pense qu'il y a des acquis préalables à avoir et sans lesquels tout porteur de projet, tout initiateur d'activités culturelles ou artistiques va craindre d'une part les difficultés publiques et administratives qu'il peut rencontrer et puis d'autre part une forme d'échec parce que aujourd'hui on ne sait pas. Alors je ne vais pas rentrer, je ne veux pas être pessimiste, je vous rejoins quand vous dites que ce n'est pas à la fonction publique de gérer ça. En effet, la culture est avant tout un problème du secteur privé. Je dis problème dans le sens où les solutions sont dans le secteur privé et aussi de la société civile. Voilà, le ministère de la Culture, le représentant légal de ce secteur public et tous ses bureaux à différentes échelles de la hiérarchie ne sont là que pour réguler et veiller à l'application de la loi. Ce n'est pas à eux de faire la proposition, c'est à nous. De le faire. Néanmoins, je vais partager avec vous ma propre expérience, qui ne consistait pas simplement à créer une association pour savoir qui allait la diriger, mais qui voulait vraiment mettre en commun des compétences, des visions, des savoir-faire, des expériences pour justement créer des événements artistiques de qualité. Aujourd'hui, même si la loi existe, elle n'est pas appliquée pas par le citoyen, mais par l'administration publique qui va tellement compliquer les choses qu'on ne va pas forcément avoir la possibilité d'aller plus loin. Et donc ça, c'est vraiment problématique pour nous autres acteurs de la culture. Parce qu'on n'a pas forcément envie de se retrouver en prison, on n'a pas envie d'avoir des problèmes, on a envie d'agir selon la loi. Et cette loi, elle est tellement floue. Tu parles de la création d'associations ? Je parle de façon globale, je ne veux pas citer des exemples qui ne me concernent pas, mais je connais des exemples à travers le territoire national qui réunissaient, par exemple, c'était des événements artistiques, qui réunissaient 30 000 personnes en 4 jours. C'est chiffré avec des rapports. Et lors de leur deuxième édition, n'étant pas initiés par le secteur public, voilà, ils ont été... arrêter, freiner. Quand un événement réunit 30 000 personnes en 4 jours, il faut l'encourager parce que c'est une économie qui est créée. Ces 30 000 personnes vont être hébergées dans des hôtels, se restaurer dans des restaurants. Même l'utilisation de la pompe à essence est bénéfique pour la région. Donc, ce sont des activités à encourager. La personne en question, les organisateurs, ce n'est pas une personne, c'est un groupe de jeunes, s'est retrouvé à annuler cette deuxième édition de l'événement avec tout un public frustré. Donc, la question de mener un projet artistique et culturel, elle est dans la perception de ce dernier. Il est important que l'administration publique ne voit pas... C'est-à-dire là, tu parles d'un point de vue juridique. Ça veut dire aujourd'hui faciliter l'accès, la création de on va dire, de, la création de structures, donc qu'elles soient commerciales, si c'est une entreprise commerciale, ou bien une association, ou bien une coopérative, qui permettent aux personnes, on va dire, d'activer dans leur domaine. Parce que parfois, les gens aussi bien sûr, ne veulent pas aller vers la création de structures et donc s'affaiblissent d'un point de vue juridique parce que c'est compliqué, surtout en ce qui concerne les associations. Donc, pour toi, il faudrait plutôt faciliter cet aspect-là pour pouvoir dynamiser la création d'événements. Enfin, la création de... Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Alors, il y a également une autre dimension qui est celle du financement. Cela va de soi. Quand on aborde un projet comme celui-ci, il faut du moins avoir la possibilité de demander des financements. Et malheureusement, cet aspect-là, tant sur le plan juridique que sur le plan culturel, est assez manquant. On va avoir des décrets comme le 11129, liés au sponsoring d'activités artistiques et culturelles en Algérie. Le mécénat, tu veux dire, ou sponsoring ?
C'est les deux. Ce décret exécutif concerne les deux. Vous pouvez taper sur Google, c'est le 11129. Et il régit toute l'activité de sponsoring et de mécénat en Algérie. Cependant, il y a quand même un problème sur cet aspect-là que j'ai soulevé à plusieurs reprises et j'ai fait un travail avec une entité mixte, publique et privée, qui s'appelle Hawkamat al-Jazair et qui porte sur la responsabilité sociale. Hawkamat quoi ? Il y a des coupures d'internet. Hawkamat al-Jazair. Ok. Voilà, et ça porte en fait sur le financement, sur pas le financement, plutôt la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Ouais, ouais. Voilà, donc cet aspect-là aussi, c'est pas un aspect juridique, c'est un aspect culturel. Quand vous allez voir des sponsors et que vous leur proposez un projet artistique, pas tous, mais une grande partie d'entre eux, va répondre de façon négative. Avec un sourire, avec un sourire. Toujours poliment, oui, bien sûr. En général, en effet. Mais on le connaît, malheureusement. Voilà, c'est une réalité à laquelle on est confronté. On est toujours desservi par rapport à des activités sportives, par exemple, ou d'autres activités. Donc, il y a cet aspect culturel qui est essentiel. Et en début de question, vous avez parlé du fait que l'action, qu'il y ait une hiérarchisation des actions. Malheureusement, il est important d'agir en même temps sur tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser la formation de côté et s'attaquer à l'aspect commercial, ça n'aurait pas de sens. C'est très important de pouvoir lier dans une stratégie politique, c'est la raison pour laquelle je parlais en début d'interview d'art et de politique, donc essayer de trouver une trame pour mettre en œuvre ces différentes actions nécessaires au secteur pour qu'elles soient simultanées, parce qu'elles sont liées. Vous m'aviez posé la question de la chaîne de production, c'est-à-dire de la création à la diffusion, à l'accès. Eh bien, c'est toute cette chaîne-là qui devra être abordée par des experts, par des acteurs des secteurs. C'est pour ça que l'un de mes conseils est de travailler sur la dimension participative, c'est-à-dire dans des cellules mixtes avec des représentants publics, privés et de la société civile, parce qu'on va pouvoir avoir globale. Ouais, ouais. Oui, vas-y, pardon, je t'ai interrompu. Oui, pardon, non, c'est moi. C'est pour avoir une visibilité globale sur le problème, parce que c'est un problème à 360 degrés et un seul acteur ou deux ou trois ne suffisent pas. Il faut consulter, il faut proposer et il faut imaginer une stratégie globale ensemble pour activer justement ces différents axes favorables à la création d'un marché de l'art en Algérie. Et d'un produit. En tout cas, c'est ta proposition. Après, c'est à voir. Parce que, alors, oui, bien entendu, c'est ce que tu dis là. En tout cas, de mon point de vue, est très très cohérent. Après, parfois, quand on est à l'échelle, on va dire de l'artiste qui est de l'artiste, voilà, du designer ou enfin que donc ou de l'entrepreneur qui est dans son coin et qui à des difficultés des économiques, financières, machin, de financement, etc. Il n'a pas forcément le temps ou l'envie de se consacrer à ce type d'initiative, sauf si on en est, on est véritablement impliqué ou intéressé par ça. Donc, peut-être on pourrait, mais même si tu n'as pas de réponse là-dessus, c'est pas grave, réfléchir à des mécanismes qui soient pragmatiques et efficaces. Est-ce que la démarche d'aller de réfléchir, par contre, pour sensibiliser les entreprises, les multinationales, etc., qui ont quand même, même si là c'est une période de crise, mais qui ont une capacité plus ou moins, en tout cas, à soutenir le secteur. Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail de réflexion à mener en commun pour justement
travailler auprès des entreprises publiques ou privées, pour peu que les entreprises publiques aient une certaine autonomie de décision, pour en tout cas voir comment, pas les sensibiliser pour nous faire plaisir, parce qu'en fait, il faut aussi faire une différence, et ça, tu le sais très bien, entre le mécénat et le sponsoring. Lorsqu'on est dans une action, on va dire, de mécénat, on n'attend pas de retour sur investissement, mais on est véritablement dans, on va dire, l'ADN de l'entreprise, il y a cette envie, ou de l'entreprise ou du chef d'entreprise, cette envie de soutenir la culture parce qu'il considère que c'est important pour la société, parce qu'il considère qu'il est au fait de l'impact sociétal, de l'impact positif que peut avoir l'art dans la société. Mais sinon, c'est du sponsoring. Et là, effectivement, peut-être que nous, acteurs, artistes, on pourrait faire un focus, en tout cas une réflexion pour justement voir comment travailler avec les entreprises pour sponsoriser des actions culturelles au lieu systématiquement d'aller vers le sport ou vers ce qui a un retour direct sur leur chiffre d'affaires aussi, parce que c'est faut bien qu'elles vivent, ces entreprises, tu vois. Enfin, en tout cas, je sais pas ce que tu en penses. Alors, sur cette question, il y a un travail, comme je le disais, qui avec Hawakamat al-Jazair, qui avait été proposé. Donc, rien n'a été concrétisé pour le moment, parce que justement, cette entité travaillait sur une loi algérienne pour la responsabilité sociétale des entreprises. Et dans la RSE, il existe déjà un volet dédié à la culture. Donc, ce que j'avais proposé à l'époque à M. Ali Harbi, je ne sais pas s'il nous écoute, en tout cas, je le salue, et qui était membre de cette commission mixte de travail, c'était de créer, avec le label RSE Algérie, un sous-label, donc un label art et patrimoine. C'est un label qui travaillerait comme étant un fonds, c'est-à-dire que les entreprises qui s'investissent dans l'art et le patrimoine sont des entreprises qui auraient ce label-là avec RSE Algérie. Donc, il y a vraiment d'autres mécanismes qui se mettent en place par la RSE, que des experts pourraient expliquer parce que c'est très intéressant sur la dimension de l'engagement du privé dans le civil. Et donc, ça, c'est une proposition. Mais il y en a d'autres également. Je suis venue ce soir avec une bonne nouvelle. Je ne sais pas si elle l'est réellement, mais pour le monde de l'art et des artistes algériens, il y a un jeune entrepreneur qui a lancé une start-up. Une start-up notamment de crowdfunding qui s'intitule Equity Crowdfunding Khaima, donc c'est khaima.com, et qui consiste à lever des fonds pour des opérations de sensibilisation, de mobilisation artistique, culturelle, mais aussi médicale, sanitaire. Donc lui met sa plateforme au service d'opérations de levée de fonds. C'est une entreprise française. On attend toujours que la réglementation passe en Algérie parce que ça pourrait être une opportunité pour le secteur culturel d'insérer ce mode de financement comme le crowdfunding. Ça fonctionne bien chez nos voisins tunisiens, que je salue s'ils nous regardent. C'est un modèle très très intéressant. Ça crée également une forme de sensibilisation citoyenne parce que le citoyen a la possibilité de donner à sa hauteur 100 dinars, 50 dinars en fonction de ce qu'il peut lorsqu'il croit en un projet, et ça crée une véritable forme de solidarité nationale sur un projet culturel. Donc, il y a quand même une forme de sensibilisation qui se fait et c'est une solution double. Maintenant, je pense que c'est aussi une question à réfléchir avec les experts. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis experte en montage financier. Ce sont des financiers qui s'intéressent généralement à ces questions, ou encore des gens qui émanent comme vous du secteur du droit, parce qu'il y a vraiment des textes très très lourds derrière à comprendre et à interpréter, et que je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas ces compétences-là. Néanmoins, les propositions qui existent, elles sont déjà utilisées dans le monde. Nous pouvons très bien nous en inspirer.
Bon, il y a quand même la question du débit Internet qui est très importante. Hein, pour, ouais, déjà là, pour notre direct, il y a quelques personnes qui se plaignent. Donc, j'imagine. Oui, oui. Oui, alors, malheureusement. On est presque à la fin. En tout cas, merci pour ces propositions. De toute façon, peut-être que les internautes pourront réagir même après ce live et faire leurs propositions, en tout cas voir si ça leur parle. Maintenant, il y a quand même, on va dire, on ne peut plus faire sans le... sans prendre en considération la pandémie du Covid-19, donc qui a quand même ébranlé le monde. Et alors, que dire sur le secteur culturel? Alors, l'UNESCO a lancé, il y a à peu près une dizaine de jours, un mouvement donc, dans lequel Artissimo s'inscrit, qui s'appelle Resiliart. Donc, c'est un peu la résilience de l'artiste face à ce qui lui arrive, comment est-ce qu'il réagit, comment est-ce qu'il peut construire par-dessus malgré tout, et comment... Alors, quel est, toi, en tant que artiste, quelle a été ta réaction, et quel est l'impact aujourd'hui du Covid, à la fois, quand je dis d'un point de vue personnel, mais c'est d'un point de vue personnel sur l'artiste que tu es, et comment tu te projettes, voilà, rapidement. Alors oui, par rapport à ce fait-là. Je pense que comme tous les artistes confinés dans le monde, notre créativité a vraiment été exaltée. Ça a été une thérapie. Ah, elle a été exaltée. Ouais, ok. Bah oui, on a créé. On n'a pas forcément créé selon le calendrier annuel parce que l'inspiration était elle était spontanée. Mais par contre, voilà, le calendrier des événements, des activités, des expositions qui devaient avoir lieu, forcément, a été gelé. Donc, beaucoup d'événements annulés, reportés, ce qui est assez triste. Bon, mais je pense qu'on a tous été confrontés à cela. Après, la résilience, c'est comme ça que vous avez dit. Alors, résilience. Ça vient de résilience. La résilience. Donc, c'est comment J'ai rejoint une autre action de l'UNESCO qui s'appelle Don't Go Viral et qui est plus dans la sensibilisation des artistes africains pour lutter contre la désinformation et l'infodémie qui est apparue depuis le début du Covid. Beaucoup de fausses informations, notamment sur le patrimoine culturel, et donc essayer de mobiliser les artistes un peu sur cette question-là. Et donc, ça s'appelle Don't Go Viral. Et en fait, pour revenir à la résilience, je pense que c'est de persister dans son œuvre, de continuer à voir les choses avec un regard singulier, de se rappeler que... Est-ce que toi, oui. Est-ce que toi, tu penses que ta créativité, elle a été touchée, même si tu ne le ressens pas directement tout de suite, par ce qui se passe? Est-ce que tu penses que ça va donner lieu à une réflexion, à un travail, ou est-ce que tu penses que bon, ça t'a juste permis de faire une parenthèse, de te poser et puis de continuer sur tes projets? Est-ce qu'il y a un avant après Covid ou pas, d'un point de vue de la création et aussi d'un point de vue de ton développement professionnel, du contexte professionnel dans lequel tu évolues? Absolument. Alors, c'est clair que ce qui est arrivé ces derniers mois, le nombre de personnes décédées et le nombre de personnes touchées par le Covid a définitivement changé ma perception du monde, mais notre perception de façon générale. Je pense que c'est partagé par l'ensemble de l'humanité, c'est assez exceptionnel, mais c'est clair que ça a un impact sur notre vision de la création, du monde, de l'art et de toutes ces choses qui font la vie. Après, sur la question d'avoir un impact sur mon travail, c'est clair que la culture est le premier secteur touché par le Covid, par les mesures post-confinement, donc qui vont commencer à tomber avec le déconfinement. Je pense qu'il n'y aura pas d'activité culturelle avant la fin 2020.
parce que tout rassemblement peut malheureusement créer une situation de danger, de contamination pour les citoyens. Donc, ça m'a aussi poussée à réfléchir d'autres business models, notamment pour mon entreprise, qui œuvrait spécialement dans la création d'événements culturels et artistiques. Donc, repenser tout ce produit. Après, je pense que ça rappelle aussi aux artistes qui s'intéressent à cette question de l'identité, l'universalité de l'identité humaine, que nous sommes aussi fragiles face à un ennemi invisible, que nous soyons d'Alger, de Kaboul, de New York ou de Paris, ou encore d'Italie, parce que c'est un pays qui a été très touché. Nous soutenons toutes les familles, parce que c'est quand même quelque chose de particulier, ouais, c'est horrible, d'inédit. Ouais. C'est horrible. Donc, l'horreur de cette situation, j'avais préparé, vous m'aviez demandé de vous préparer une citation, et je pense que j'allais venir à ça pour clôturer notre entretien. Super sympa d'ailleurs. Moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à être avec toi. Merci, moi aussi. Et la citation, donc c'est une citation de Sourate Sharh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui dit fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sadaqallahu al-Adim. Alors, parfois, ce qui nous arrive de difficile, le confinement, ça a été très difficile. La perte de proches et de gens qu'on connaissait a été aussi difficile, de façon aussi brutale. On ne pouvait pas forcément assister aux enterrements. Mais il y avait aussi une forme de usri, de retour à l'essentiel, d'introspection et on passait du temps avec nos familles. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être bloquée en Algérie, parce que je ne sais pas comment ça se serait passé à Paris, loin de ma famille et des miens. Donc, ça a été aussi une opportunité pour chacun de nous de revenir à l'essentiel, et puis de s'inspirer de choses simples, de moments simples, et puis de renouveler son regard sur le monde et sur la vie. Pour finir, c'est magnifique. Pour finir, je sais que en préparant cette rencontre, tu m'avais parlé de Nourdin Farouchi, l'Airahmo, qui est décédé depuis plus d'un an maintenant. Enfin, il y a un an, je crois. Je ne sais pas si c'est... En tout cas, on est... Un an et quelques mois, oui. Voilà, un an et quelques mois. Je ne sais pas s'il y a peut-être deux mots à dire. Je trouve que... je ne sais pas, mais moi, je l'ai connu. Je ne le connaissais pas très, très bien, mais je l'ai connu tout au long de... Voilà, le début de l'aventure d'Artissimo. Et puis, on se voyait de manière sporadique. Donc, quelqu'un de très, très agréable. Avec qui je n'ai pas eu à collaborer d'un point de vue professionnel. Je l'entendais de temps en temps à la radio, et beaucoup d'élèves des Beaux-Arts me parlaient de lui. J'ai le sentiment en tout cas qu'il n'y a pas eu suffisamment, on va dire, de dommages qui ont été faits pour lui, quoi, suite à son décès. Bon, peut-être parce que l'année dernière, nous avons vécu un temps de vie en Algérie qui était très, très difficile. Mais comme tu m'en as parlé, donc je voulais te donner l'occasion de l'exprimer, en tout cas d'exprimer ce que tu pensais de lui. Merci. Merci beaucoup. Allah yirahmo yusa alayh, inshallah rahu min ahl al-jannah. En effet, Nourdin Farouchi était un artiste plasticien qui, à la fin de sa carrière, quelques mois avant sa mort, a exposé pour les 100 ans de la mort de Matisse, d'Henri Matisse. Donc, c'est quand même un géant de la peinture algérienne, puisqu'il s'est retrouvé sur la même estrade que Matisse. C'était aussi un auteur, un théoricien de l'art, un historien de l'art et un muséologue, un des seuls, je crois que c'est le seul Algérien diplômé de l'école du Louvre en muséologie. Il a travaillé au musée des Beaux-Arts et il enseignait à l'école supérieure des Beaux-Arts. Donc c'était mon prof et mon encadreur, mon maître spirituel. Je le sens parmi nous depuis le début de Ramadan, parce que il adorait ce mois, les petites traditions algéroises, les gâteaux algérois et tout ce savoir-vivre qui fait partie de notre patrimoine matériel et immatériel. C'était vraiment son petit plaisir à lui. Et je pense que
il a fini par incarner justement ces manquements qui existent au secteur de la culture en Algérie, parce qu'il avait une véritable vision pour ce domaine, tant sur le plan de la formation universitaire, puisqu'il avait proposé à l'époque où il y avait Khalid Atoumi qui était ministre de la Culture, l'élaboration d'un livre de cours d'histoire de l'art algérien. C'était quand même inédit comme démarche. Et lorsqu'il m'enseignait l'histoire de l'art en 2013 à l'École des Beaux-Arts, j'avais pris connaissance de ce projet qui était quand même un des projets qui peuvent aider justement à préserver l'histoire de l'art algérien et à le rassembler dans un ouvrage. C'est un artiste qui a puisé dans une tradition avec le groupe Aushammer, qui est une tradition picturale qu'on va retrouver chez Mohamed Issiakhem, chez Denis Martinez, chez Rachid Qureishi, chez beaucoup d'artistes qui ont travaillé sur la question de l'identité algérienne. Sur Nordine Chagrane, qui est derrière aussi. Exactement. Et qui représente donc tout un axe de recherche picturale et artistique. Il a également travaillé sur notre patrimoine à travers des émissions qu'il animait pour la radio chaîne 3. C'est un véritable monument qu'il lègue à l'histoire de l'art algérien à travers ses œuvres plastiques, mais également ses ouvrages. Donc, il y a eu des livres, notamment « Baladar en terre d'islam », qui est un ouvrage remarquable. Je vous invite à le déguster. C'est vraiment un plaisir de le parcourir. Concernant l'événement commémoratif, j'ai été désignée par la famille de Nordine Farouchi pour organiser une expo introspective avec toutes les personnes avec qui il a travaillé, avec les artistes qui sont intéressés. En effet, 2019 a été une année plutôt mouvementée pour l'Algérie. Et donc, j'espère que nous pourrons… Ça se fera. Ça se fera, Inch'Allah. Mais de nombreux projets sont en cours, notamment la création d'une bourse d'histoire de l'art pour un Master 1, Master 2 en France, à Paris, qui portera le nom de Nordine Farouchi, parce que rien n'était plus important pour lui que l'enseignement de l'art. Aucun engagement n'était plus précieux que de transmettre la valeur de l'art et de la création et de la créativité. Écoute, merci beaucoup en tout cas, Nahla. Merci vraiment, à vous. Merci déjà pour cet hommage. Merci pour ton intervention, c'était très riche, très intéressant. Et écoute, je te souhaite une agréable soirée, fin de soirée merci. En tout cas, et j'espère que tu seras parmi nous, en tout cas lors des prochaines rencontres, en tout cas au moins en tant que participante. Nous, le prochain Vivons de la Culture aura lieu, logiquement, si on n'a pas de problème avec Internet, mercredi prochain. Et formidable. En attendant, prends soin de toi et à très très merci bientôt. Merci pour l'invitation, merci.